Hey, salut tout le monde, c'est quoi moi Gus, bienvenue aujourd'hui sur Pro Cycling Manager 2013. Et oui, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Je vous expliquerai pourquoi très rapidement, hein. Voilà, en tout cas, pour l'instant c'est la Vuelta Espagne, la 13e étape. Alors là, comme d'habitude, là je vous montrerai que l'avant-dernier col plus l'arrivée. La 13e étape, la 14e, vous ne la verrez pas. La 15e, ouais, pourquoi pas les deux derniers cols. Le contre-la-montre, pourquoi pas aussi. Celle-ci, non. La 18e, oui. La 19e, ouais. La 20e, non. Et la 21e, oui, juste la fin pour montrer que voilà qui a gagné, qui a fait quoi. Donc là, vraiment que les fins, hein. Comme ici, voilà, c'est vraiment que le à partir d'ici. Que les fins d'étape, hein, vous n'allez pas avoir comme le contre-la-montre, hein, vous verrez que vraiment que les derniers et encore, je n'ai même pas le contre-la-montre, je pense pas vous le montrer, ça servira à rien. Bref, ouais, bref, je verrai bien tout ça. Faut pas non plus que ça dure trop longtemps parce que bon, il y a du montage à faire après, enfin du montage, du rendu à faire après. Enfin, bref, voilà, donc on se retrouve tout de suite sur les routes du Tour d'Espagne pour cette 13e étape. A noter qu'au classement général, hop, résultat, dernier résultat, on va aller voir tout de suite tout de même là, voilà, le Tour d'Espagne, voir un petit peu le classement. Il me semblait que c'était assez tranquille pour moi, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà donc. Voilà, on était à l'étape 12, et donc au général. Voilà, au général, bah voilà, je suis premier avec Carlos Betancourt, avec 1 minute 44 d'avance sur Conego, après Sanchez, Majka, Richie Porte, voilà, Contador est à 5 minutes 25. Donc voilà, allez, sur ce, on se retrouve donc sur les routes de la 13e étape. A tout de suite. Et on se retrouve à 48 km de l'arrivée. Vous le voyez, plus que 31 coureurs dans le peloton. 31, et oui, seulement 31 coureurs. La Katusha, non, la Timacan Pro a roulé assez fort. Elle a roulé même très fort. Maintenant, c'est aussi au tour là de Schleck de rouler. Schleck, Frank Schleck, hein, qui est chez Vini Caldirola. Pourquoi pas, ils font. Avec les transferts, hein, il se passe toujours des choses intéressantes ou étonnantes, comme vous le voulez. Hop, on va accélérer encore un petit peu là avec notre groupe. Allez, Menchoff, Velitz, Kangert, Lemmler qui est encore là, mais pas pour longtemps, mais il est encore là. Majka qui protège Carlos Betancourt. Bien sûr, mes trois autres gars, Kolobnieff, Stibar et Christophe, qui ont lâché, bien sûr. Mais bon, ils ont bien résisté tout de même, hein. Franchement, je suis fier de mes coureurs, comme d'habitude. Plus 2 pour Carlos Betancourt, bah, c'est pas mal ça. Elle a encore 12 km de montée, c'est un col assez, assez violent, hein. Très gros col. Comme vous le voyez, c'est un première catégorie seulement en plus. Ouais, bon, après, c'est la classification de la Vuelta, hein, parce que normalement ça devrait quand même être un hors catégorie, mais bon. C'est comme ça, il n'y a plus que 30 coureurs. On va quand même essayer de rester bien placé avec Carlos. Pas faire n'importe quoi, pas se faire lâcher, pas se faire bloquer ni rien. Voilà, on se replace là. Mais je l'aime leur, merci pour tout. Ouais, faire gaffe quand même, plus que 25 coureurs déjà. Là, il reste encore 40 bornes à parcourir. Contador est toujours protégé, l'autre aussi, tout le monde est protégé encore. Hein. Tout le monde est là, tout le monde est tranquille. Hop! Merci, merci le Cofidis, merci à toi. Et attaque de Contador à 40 bornes de l'arrivée. Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas, Alberto, si tu veux attaquer, ouais, pourquoi pas? J'ai envie de dire, hein, écoute, tu fais bien ce que tu veux. Hein. Donc, Carlos a du mal à remonter par contre. Et s'attaque au sixième, Samuel Sanchez. Non, Nieve qui attaque.
Ouais, bah les gars, ils attaquent comme ça. Comme des fous. Comme des foufous, ils attaquent. Et Carlos qui réagit. Et on va rouler. Encore une fois, avec Kangert, Velitz, Menchoff ne peut plus. Menchoff ne peut plus. On va reculer un petit peu là avec, voilà, avec plus que 7 coureurs là dans ce groupe là, avec 4 coureurs de la Team Akin Pro. Et Chipolti qui nous suit, je suppose, oui c'est la Chipolti, c'est Metson Sanchez là. Bientôt la descente. Eh Danny, accroche-toi Danny Moreno, accroche-toi. Il n'y a plus que Velitz et Kangert, mais ça va, encore 2 coureurs mine de rien, c'est bien ça. Puis j'ai Majka aussi au cas où. Toujours pas me protéger. 1 minute d'avance pour Alberto Contador pour l'instant. Allez les gars, accrochez-vous là. Allez Peter, accroche-toi aussi. On va reprendre Nive. Bientôt la descente. C'est dur là pour Peter Velitz, mais c'est bon, il s'accroche bien. Pourquoi il est pas à 80? Ah oui, il est pas à 80 lui. Hop là, on va mettre à 80. C'est bon, la descente. 1 minute d'avance pour Alberto Contador. Majka, est-ce que tu es bon en descente toi? Ouais, oh ouais, tu n'es pas mauvais, mauvais, mais bon. Kangert 67, Velit 72, et Majka, ouais. Majka qui va rouler aussi. Car faut reprendre ce Alberto Contador quand même, faut le reprendre. Allez les gars, je compte sur vous là. Alors que comme vous allez me dire comme d'habitude que mes gars je ne les soigne pas dans le sens où je leur donne pas de bidon en l'arrière. Non, ils se démerdent. Eh oui. Allez 46,5 secondes d'avance. On revient sur Alberto Contador tranquillement là. Voilà, elle est juste là, c'est bon. Du coup, Majka, tu vas pouvoir reprotéger. Hop là, voilà. Tout, 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 tout. Et voilà, Bertrand Condor qui n'est plus maintenant qu'à 20 secondes. Tranquillou, tranquillou, les gars, tranquille, tranquille, tranquille. Voilà, on gère maintenant. Nous, on recule un tout petit peu. Non, non, je dis on recule. S'il te plaît, tu arrêtes de me casser les reins. On recule. On va à l'arrière. Voilà, tranquille. On regarde un petit peu ce qui se passe. Voilà, Alberto Contador qui est juste devant. Encore 15 bornes, ou plus que 15 bornes, comme vous le voulez. Ouais, on va monter nous à... c'est pas encore la montée montée là, c'est pas encore la montée finale. Et voilà Bertrand Contador qui est repris. T'auras tenté Alberto, c'est bien, t'auras tenté, écoute, on peut pas t'en vouloir. Hop. Allez maintenant, ça nous jouer. 10 bornes à parcourir encore. Maintenant, c'est à Carlos Betancourt de prendre les choses en main. Les bidons, c'est bon. Ouais, on va donner un petit bidon à tout le monde, comme ça vous serez content. Et c'est parti pour la montée finale. Carlos Betancourt, toujours protégé par Majka. Majka a dû faire un effort là pour revenir me protéger. Il est encore là, le petit Alberto Contador. Attaque de Richie Porte. Oh, attaque de Richie Porte. Eh oui, attaque de Richie Porte. Qui est 5ème à 3 minutes 30.
Ah, Machka, malheureusement, je pense qu'il va bientôt craquer, le pauvre. Alors qu'on approche de la bannière des 5 km. Ah, bientôt que ça toujours là. Même si mal là en difficulté. Et on va faire un gros effort là avec Carlos. Merci Machka, tu m'as bien aidé. Et que Samuel Sanchez qui arrive à me suivre, je pense. Oui, Samuel Sanchez le troisième, hein, 3 minutes 10. Donc c'est assez long aussi. Hein. Et voilà, il craque Samuel Sanchez. Et maintenant c'est à Carlos Betancourt qui va s'envoler vers la victoire tranquille. Une nouvelle victoire pour Carlos Betancourt. Facile. On va même accélérer encore. Et non, je suis pas en x2 là. Non, putain, j'ai vraiment l'impression d'être en x2. C'est assez étonnant. Allez, attaque là de Carlos. Et il est tranquille, Carlos, il est tranquille lui. Avec son accélération et son sprint. Facile, victoire facile là, de Carlos Betancourt. Richie Porte derrière. Après, il y a Majka. Samuel Sanchez. Kangert, Contador et Nieve. Qui finissent ensemble. Hop là, voilà. À plus de 2 minutes, Contador encore de perdu pour lui. Denis Moreno qui l'a. Peter Velits. Voilà, bah écoutez, encore une fois, voilà. Bon. Pas de surprise. Maxime Bouet, bien, 10e. Peter Velits aussi qui fait 9e alors que pourtant il a beaucoup, beaucoup roulé. Kangert, et bah, quoi. 1, 2, 4 coureurs de l'Arkham Pro dans les 10 premiers. Il n'y a aucun suspense dans cette Volta, malheureusement. Je suis en difficile, bien sûr. Il n'y a aucun suspense. C'est pour ça qu'aussi, j'ai pas eu trop envie de la jouer. Parce que voilà, il n'y a pas. C'est pas comme les autres, le Giro ou le Tour de France, où là, j'ai dû batailler. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Là, non, malheureusement, il ne se passe rien du tout. Ah, vous le voyez, hein, je veux dire, voilà, il n'y a pas de. Aucune concurrence, quoi. Même si Contador est là, ok, mais bon. Enfin, voilà quoi, c'est pour ça que je vais peut-être pas, je vais pas non plus tout vous montrer là parce que ouais, ça sert à rien quoi, ça sert absolument à rien. Okay, pas mal d'abandon encore. Et là voilà, 4 minutes 20 d'avance maintenant sur Richie Porte, 4,40 sur Samuel Sanchez. Contador est à 7 minutes 27. Voilà, donc la 14e je ne vous montre pas, la 15e non plus, finalement ça sert à rien. La 16e non plus, la 17e non plus. La 18e, oui, je vous la montrerai. La 19e peut-être, on verra bien. Mais celle-là, oui, je vais vous la montrer quand même, parce que c'est une belle étape, très très belle étape. Donc voilà, on se retrouve tout de suite donc pour la 18e étape de cette Vuelta. Et dernière course de la saison, à part la championnat du monde, que je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo. Je verrai bien, ce n'est pas encore sûr. Allez. Sur ce, je vous dis à tout de suite. On se retrouve vers 30-40 km de l'arrivée. A tout de suite. On se retrouve à 33 km de l'arrivée, alors que vous le voyez, là, nous ne sommes plus que 40 pelotons. Il y a des coureurs devant tout de même. Hein. Il y a Nive qui attaquait, De Wirth, Cleroche, Kobo Sebo, As, Elfares, Julien, Franschleck, Catanao, Pozzovivo devant. Et nous, bah voilà, on gère tranquillement à l'arrière. Alors que Christophe est très très loin car il a chuté, le pauvre, dès le début de la course quasiment. Et il n'a jamais pu revenir, donc du coup, bah, j'espère qu'il sera pas hors délai, hein, car c'est ma seule chance pour la dernière étape. Donc bon, nous verrons bien. Après, au final, même s'il est hors délai, bon, hein, c'est pas dramatique non plus, quoi, on va dire. Mais bon, je préférerais qu'il ne le soit pas, on va dire. Oui, je sais, ça fait 2 fois que je dis « on va dire ». Ce n'est pas grave. Allez, 26 km encore à parcourir. Hop, on va accélérer un tout petit peu pour éviter les attaques. Voilà, comme là, attention, attention les gars. Je reste en garde des positions là. J'ai même pas envie de faire de curseur ni rien. J'ai pas envie. J'ai même pas envie de gérer là. C'est trop facile. Oui, car le classement général, vous allez voir. Voilà, Richie Porte toujours à 4,47. Sanchez à 6,32. Contador à 9,40. Donc, voilà, il n'y a pas. Pour ça, j'ai même pas envie de gérer quoi. Pourtant, là, j'ai pas la grosse grosse équipe hein, dans le sens où la voilà, Menchov, Kangert, Velits, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas une armada énorme. Hein. Bien sûr, en vrai, ce serait une belle équipe quand même hein, pour être protégé, ouais, bien sûr. Et pour rouler et tout, mais tout de même quoi, voilà, c'est pas. C'est pas monstrueux non plus quoi.
Allez, l'échappée là qui n'a plus qu'une petite minute d'avance. 18 coureurs dans ce peloton, ou même groupe maintenant, c'est le 3 carrément, le 3 ou le 3. Bref, excusez-moi. Menchoff, tu rachètes les petits bidons, petit Menchoff. Ouais, ça peut être pas mal ça. Et ça attaque là, avec Contador et tout, mais non, ça roule trop fort avec Kangert là. Il ne peut pas attaquer. Allez Denis, accroche-toi, c'est parfait pour les bidons. Alors que ça attaque dans la descente encore avec Sanchez et Contador, mais Sanchez ça peut être sympa hein, dans la descente bien sûr. Très bon descendeur Sanchez, on le sait. Mais non. C'est voué à l'échec car il a toujours Kangert là pour rouler. 16 km à parcourir encore. La Team Arkham Pro qui est présente, qui est là. Et on va m'en arriver à la montée finale. Voilà, hop. Tout le monde à 75. Faites votre vie, les gars. Bettencourt, même un tout petit peu moins. Bettencourt, ne te fatigue pas trop. Bettencourt, ça ne sert à rien. Il ne fatigue pas trop. Maïchka non plus. Voilà, 60 suffira pour l'instant. Regardez, ils essaient d'attaquer encore. Ridicule. C'est ridicule. Daniel Martin, ouais, qui est là, Martine, hein, qui est là. Dan Martin. Attaque de Churuca. Qui est à la Movistar. Non, attendez, parce que là, il faut que j'attende mon petit Majka, parce que là, il est bloqué. Il peut pas me protéger, Majka, c'est génial, j'adore ça. Alors que ça attaque. 9 km de l'arrivée, sur sa attaque, là, avec Nive. Très remué au niveau de Volta, il attaque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Contador qui attaque encore. Ouais, mais là non. Mais non, les gars. Voilà, regardez, Contador il attaque. Moi je reviens tranquillement sur lui alors que le mec était en plein attaque. Aïe aïe aïe, allez. C'est reparti pour faire l'effort. On va même faire ça. Hop là, voilà. Majka, tu vas rouler à ton allure. Kangert, tu es là, c'est parfait. Et oui, il a besoin de personne, hein. Carlos. Dani Moreno qui est là. Et plus que 6 qui mettent en survol encore une fois vers la victoire avec Carlos Betancourt. Kangert qui est là aussi qui. Non, on fera pas un 2-3 parce que bon, il y a quand même les autres qui sont là. Il y a Richie Porte qui est là, voyez, il y a quand même du beau monde, hein. Mais bon, tranquille quoi. On va encore placer 3 coureurs dans les 10 premiers. Easy peasy, il va m'accélérer là. Pour une belle victoire écrasante de Carlos Betancourt. Allez, on va accélérer encore ici avec mes petits gars. Voilà, bon, y a rien à dire. Hein, voilà, bon. C'est facile quoi. Ça permet d'attaquer là. Ça y est, Carlos Betancourt est parti. Voilà, Carlos, Voilà, tranquille. maintenant, c'est le moment de chevaucher sa mécanique à toute allure pour les sprinteurs. C'est parti. Bien joué Carlos qui signe une nouvelle victoire devant Majka, Richie Porte, Kangert, hein, voilà, on fait presque 1, 2 et 3, ben non, on fera 1, 2 et 4. Ouais, ben écoutez, ouais. Que voulez-vous que je vous dise? Voilà, c'est comme ça? Ta la pam 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 pam. Ah, il faut que je regarde mon petit Christophe. Il est là. Ça serait bien si vous pouvez ne pas être hors délai, mon petit Christophe. Ça serait cool. Ça serait sympa. T'as plus de bidon, j'ai ta soif. T'as soif, mais c'est pas grave.
Allez Christophe, ne sois pas en délai. Ah, ça va être dur, ça va être dur de pas être en délai. Ça va être dur de pas être en délai là. Ça va être très dur de pas être en délai pour Christophe. À cause d'une chute, hein. Ouh là, Mathieu Gosse qui est derrière. 80 sprints Mathieu Gosse, parfait. 70 vallons, elle est un petit peu régressée, je crois. Je crains le hors délai pour mon petit Carlos et voilà. Carlos. Christophe. Et voilà, Bettencourt, voilà. Tranquille. Une victoire de plus. Je pense qu'il va être hors délai, bon, malheureusement, Christophe. Eh voilà, il est hors délai. Ah putain, l'arnaque. Bref, 6 minutes 20 d'avance sur Ritchie pour le team. Majka qui reprend la 3ème place à 8 minutes 40. Eh bien écoutez, on va se retrouver directement pour la dernière étape, même pas. Pour les championnats du monde peut-être, ouais, non, parce que là la Vuelta honnêtement elle est finie quoi. J'ai 6 minutes d'avance, c'est fini, victoire de Carlos Betancourt. Ouais, on va peut-être quand même faire la dernière étape, ouais. On fera la dernière étape, la 21ème étape, juste pour conclure cette Vuelta. Et après, on se quittera là et ce sera fini pour Pro Cycling Manager 2013. Il restera les championnats du monde, peut-être à jouer aussi. Nous verrons bien. Mais tant que j'y suis là, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Que voilà, on a décidé. On a discuté entre nous là, de faire un KO. Et on s'est dit, c'est vrai qu'en ce moment, il n'y a que des vidéos solo, quoi. C'est que nos vidéos à nous que l'on met. Depuis pas mal de temps, c'est que Très Cool qui met ses vidéos de FIFA. Moi qui mets mes vidéos de PCM, FIFA et tout et tout. Et voilà, donc on s'est dit, ouais, c'est un peu bête quoi, c'est une chaîne à 4, c'est une chaîne où on est censé faire des trucs ensemble, ce qui est vrai, à la base c'était ça. Et on s'est un petit peu perdu dans le fait de mettre nos trucs solo seulement. Donc on s'est dit, voilà, autant arrêter ça. Alors la chaîne ne s'arrête pas, la chaîne n'est pas finie, la chaîne n'est pas morte, attention. Disons qu'on va garder maintenant les événements où on sera tous les 4 pour jouer, ou au moins 2-3 personnes pour jouer. Et là, on mettra sur la chaîne Ferme KO de ces événements-là, quoi. Mais tout ce qui est en solo maintenant, ce sera sur nos chaînes respectives. Donc, je sais pas si Bastien a déjà créé sa chaîne, mais très cool. Je pense qu'il doit créer sa chaîne normalement sur FIFA. Axel a déjà sa chaîne JVH. Moi, j'ai déjà ma chaîne Quamangus. Voilà. Donc, bah écoutez, voilà. C'est pas évident, hein, c'est pas simple non plus. C'est un choix qu'on a fait, voilà. Après, je pense que c'est le bon. On était tous plus ou moins d'accord, ça fait déjà un petit bout de temps qu'on en parle, hein. C'est pas non plus du jour au lendemain que c'est arrivé. C'est juste que, bon bah voilà, écoutez, hein. C'est comme ça, donc on va retrouver quand même des vidéos où on sera nous ensemble. Quand, je ne sais pas, nous verrons bien. Enfin bref. Sur ce, bah écoutez, on va aller directement à la 21ème étape, ou alors même au championnat du monde, directement. Non, au championnat du monde, on fera ça après, je ferai ça après. Allez, c'est parti pour la 21ème étape et dernière étape de cette Vuelta. A tout de suite! Et on se retrouve pour la 21ème et dernière étape, ce Tour d'Espagne, cette Vuelta Espagne. Et ce sera mon leader, ce sera Lemmler, 75 en sprint tout de même, bon, c'est pas dégueulasse non plus. Hop là, et nous on va rouler. Et oui, on va rouler avec le maillot rouge, et oui, tout le monde va rouler chez nous, car nous sommes des fous à la Team Arkham Pro. Nous sommes des fous. Non, non, bien sûr, Carlos Betancourt, on va pas faire le con. Hein. Carlos va protéger Lemmler. Voilà. Et là, voilà, donc une victoire au sprint, pourquoi pas, pour Lemmler, le jeune Suisse, hein, je vous rappelle. Dernière course pour lui, que l'on verra, bah, comme pour tous ses coureurs, hein, car au pire, si je refais une vidéo après, ce sera les championnats du monde, hein, donc du coup, avec l'Espagne. Donc voilà, c'est la dernière fois que vous voyez tous ces coureurs. C'est la dernière fois, c'est la fin de PCN 2013, c'est la fin des vidéos de Quamangus en solo normalement cette chaîne FRMKO, sur la chaîne FRMKO. Ah, c'était une belle aventure tout ça, c'est 2 saisons complètes tout de même. Hein. Franchement, je suis quand même bien content d'avoir pu réussir à faire 2 saisons complètes de PCM. Chapeau quand même, chapeau l'artiste. Le mec s'auto-congratule. Ah mais sérieusement, c'est vrai que c'est quand même assez cool quoi d'avoir pu réussir à faire 2 saisons comme ça. Franchement, c'est quand même bien sympa. Bref, là c'est une petite étape tranquille, hein, voilà. Il reste plus que 80 bornes. Je ne sais pas du tout qu'il y a comme sprinter. Il y a Sagan, ouais, qui est là. Bah, ouais, Sagan quand même, c'est très dur. Il y a combien? 82? 79, ouais, non, ouais. Ça va être très très compliqué de battre Hagan, je vous le dis.
Mais bon, voilà. Majka, Kangert, Menchov qui vont rouler un petit peu plus fort même d'ailleurs, parce que histoire de pourquoi pas, il y a un petit peu de vent donc pourquoi pas faire quelque chose, on ne sait jamais. Bref, Betancourt donc il va remporter tous les classements, hein, voilà, tranquille. Vive Contador, n'importe quoi, Contador, Alberto, je pensais, voilà, vive Carlos Betancourt. Le classement général, vous allez le voir là. Aucune. Voilà, il y a même deux courses au podium avec Majka, 9.33. Rich Porti à 7 minutes 15. Voilà, c'est très 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 facile pour nous. Quasiment 4 coureurs dans les 10 premiers. Que voulez-vous dire? Il n'y a aucune concurrence. Voilà. Alors, quels sont les coureurs devant? La série Hansen, Sutherland, Rosler, Astaloza. Kolobnieff, non, Kolobnieff, j'en aurais quand même besoin. Mon train, ce sera donc Kolobnieff, Velitz, Stibar et Lemmler. Voilà. Et Carlos Betancourt qui suivra aussi Lemmler au cas où. Pourquoi pas? On sait jamais. Donc là, ça va être calme, là, voilà, c'est vraiment pour finir tranquillement cette saison. Vous allez me dire, mais quoi, mais les championnats du monde, c'est pas fini, il y a encore les championnats du monde. Oui, je sais qu'il y a encore les championnats du monde, mais ça sera plus tard, encore une fois, et c'est bon, voilà, c'est pas la team Arkin Pro, même si c'est vrai que j'aimerais que Joaquim Rodriguez remporte encore ces championnats du monde, je sais bien. Mais voilà, la saison cycliste, réellement, par rapport à l'équipe, se termine maintenant avec le Tour d'Espagne, voilà. Après, peut-être qu'il y aura les championnats du monde, j'en sais absolument rien pour l'instant. J'avais dit que je terminerais cette saison, je la termine, voilà, elle est terminée, avec cette dernière étape à Madrid. Et puis voilà, c'est tout. Après, c'est tout. Voilà. Et ouais, c'était une belle aventure quand même. Ces deux saisons avec pas mal de choses, de très belles choses qui se sont passées. Avec les grands tours de Joaquim Rodriguez, avec la Betancourt qui va gagner cette Volta. Lemmler, la super recrue, super jeune que j'avais recruté. Oh, regardez-moi ça, ses notes, quoi. Le mec, il n'a pas une note en dessous de 72. Voilà. Mais dommage, il ne pourra pas évoluer vu que ça va s'arrêter. Dommage. Je pourrais presque le recréer pour ma future carrière sur 2014. Et lui mettre les mêmes notes qu'il a là, par exemple. Et puis le mettre à le même âge, avec le même potentiel. Et le faire évoluer avec moi dans la carrière. Mais bon. Je l'aime bien, Lemmler, moi, franchement. C'est un bon coureur que j'aime. Bref, plus que 50 km à parcourir. L'échappée, 1 minute 30 d'avance. On va accélérer un petit peu au cas où. Ah, le vent a diminué, dommage. Ouais, d'ailleurs, Machka. Ouais, non, d'ailleurs, ouais, non, peut-être pas. J'suis en train de me tâter. Car j'ai pas non plus envie que ce fasse lâcher. Hein. Ce serait con. De perdre le troisième et le sixième, quand même, très belle course là, de tout le monde, là, ce serait quand même dommage. Mais en même temps, j'ai pas envie que l'échappée aille au bout, même si l'IA, je pense, va réagir, mais. Ouais, au final, là, merde, ils vont pas rouler au final. On roule pas. On va laisser les autres rouler au final. Ouais. Ouais, tranquille, au final, on s'en fout, même la victoire d'étape, c'est pas grave. De toute façon, Lemmler n'a aucune chance face à Sagan. Donc, les gars, si vous voulez attaquer. Et si vous voulez gagner, roulez. Voilà, c'est pas moi. Je ne roulerai pas en fait. Koren. Et d'ailleurs, on va chercher des petits bidons. Menchov, 17ème, bien. Lui qui aura beaucoup protégé, beaucoup roulé. 17ème général, excellent. Ah, la fin de cette Volta, bah écoutez, hein. Donc si vous voulez me retrouver, hein, n'hésitez pas, sa chaîne Quamaingus, même si je pense que pas mal y sont déjà. Mais n'hésitez pas, je mettrai le lien d'ailleurs dans la description là. Je l'ai jamais fait, enfin si je le faisais, je mettais tout en bas de la page, dans la description, tout en bas, tout en bas. Là je pense le mettre dans la première ligne, comme ça au moins, voilà. Si vous voulez retrouver mes commentaires, mes vidéos, ma chaîne, il y a un petit peu de tout, il y a du FIFA, il y a du. Alors pas du FIFA 14, il y a du FIFA World Beta, il y a du PCM bien entendu, beaucoup de PCM. Il y a des Sims qui reviennent aussi, il y a enfin pas mal de choses. Du MXGP, du Trials Fusion, du
être prévenu à l'avant, bien entendu. C'est une certaine... Ça s'est varié, on va dire. Oui, on va être prévenu dans l'échappée. Et pour l'instant, le peloton, apparemment, il s'en fout complètement. L'écart est en train de diminuer, là. Hop. C'est mis en marche depuis déjà un petit temps, maintenant. Hein. Donc, le résultat est là. Le résultat est là. L'écart diminue. Non, même pas. Hop. Hop, hop. Vous reculez, ça rien que vous soyez ici, les gars. Restez dans le ventre mou du peloton, les gars. C'est bon, c'est la fin du tour. On n'a plus besoin de vous. 33 km encore à parcourir. 1 minute 57 d'avance pour les échapper. Ça n'ira pas au bout, c'est évident. Zéro pour Lemner, apparemment. Dommage. Et oui, j'aurais un petit plus 5. Je me suis dit, ah pourquoi pas, une petite chance de gagner là, mais non. Non, 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 non. Alors nous on va faire un train bien sûr, on va rouler à fond, à fond, à fond, à fond, on va tenter notre chance, hein. Attention, non, on va pas se laisser abattre comme ça. On va tenter notre chance. Ouf, moins 3 pour Velitz, donc ce serait peut-être, ouais, donc c'est, ouais, ça. Kolobnev, Velitz, Stibar. Même si je mettrais bien Machka aussi, parce qu'il a quand même 61 seulement, Kangert il a 61 aussi, et Metchov 60, ouais, non, c'est pas assez. Ils sont pas assez bons sur le plan de pluie, alors qu'il reste plus que 25 km dans cette Volta, dans cette saison. Dans cette deuxième saison, il ne reste plus que 26 km à parcourir. 26 km pour terminer en beauté cette saison, ou pas. Enfin, terminer en beauté, oui, car Carlos Betancourt va remporter ce Tour d'Espagne, cette Volta. Ah, Lemler qui boit un petit coup. C'est agréable. Excusez-moi. Vous voyez, classement, voilà, tranquille. Hein, voilà, pas, pas, pas. Et bien sûr, voilà. Tous les classements pour Carlos Betancourt. Alors qu'il reste plus que 23 km à parcourir. Ça sent la fin, attention, là, 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 ça roule fort, ça y est là. Ça embraye. Ah, mes coureurs sont tous crevés. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. 20 bornes, oh, ça défile vite là, ça défile. Ça défile très très vite. La fatigue est là. Allez. On va bientôt pouvoir suivre. 19 bornes pour nous. Oh là là là, regardez-moi ça. Là, 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 là. La fatigue. Voilà, on peut suivre. Merde, j'ai suivi qui là? Je suis Stibar, je crois. Ouais. Stibar qui suit Velitz. Hop. Velitz qui suit Kolobnev. Hop. Betancourt qui suit Lemler. Hop. Et voilà, c'est Kolobnev. Là pour l'instant on ne fait rien. Ah, attendez, la barre jaune là de mes coureurs, ça c'est hallucinant. D'ailleurs Machka tu vas suivre Betancourt. Kangert tu vas suivre Machka. Et Menchov tu vas suivre Kangert. Voilà, comme ça tous les coureurs sont là. Allez, maintenant il reste plus que 10 bornes, enfin 11 bornes. On va essayer de remonter un petit peu ce peloton. Voilà, tout le monde est là, toute la team Arkham Pro est là. 10 km encore. C'est beau. Hop, voilà. Non, je sais bien, Menchov et tout là ne feront rien, c'est évident. Mais bon, voilà. Allez, encore deux coureurs devant, mais c'est bon, c'est fini pour eux. Alors qu'il reste plus que 6 km à parcourir. Et donc, on est revenu maintenant au point de départ, sans échapper, avec un. Allez, Peter Velez qui prend le relais. Maintenant, c'est Stibar qui va prendre le relais. Merde, j'ai un petit peu trop tôt là, mais c'est pas grave. Non, un petit peu trop tôt là. C'est pas grave, c'est parti pour le sprint. Allez, Lemler qui va mener le sprint pour. pour personne. Non, aucune chance, non mais les gars. On termine tranquille les gars, on termine au curseur 40, tranquille. Tous ensemble. Alors que ça va être la victoire de John Degenkolb. Bien joué John. Et nous voilà, on finit tranquillou à 30, allez même à 20. Pardon. Voilà, on finit quasiment tous ensemble. Bravo, 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 bravo. Bravo à vous les gars.
Je suis fier de vous, bravo à la Team Arkham Pro qui termine en beauté avec une belle victoire sur cette Vuelta pour la dernière course de la saison. Très très belle saison encore une fois. Et Daniel Kalkol, qui champion d'Allemagne d'ailleurs, qui gagne tranquillement ce dernier sprint à Madrid. Et voilà, c'est fini, c'est la fin, c'est terminé. Victoire donc de Carlos Betancourt dans cette Vuelta, il remporte tous les classements, la montagne c'est lui, au point c'est lui, meilleur jeune c'est lui, et bien sûr par équipe c'est nous, la Team Arkham Pro avec 36 minutes d'avance, là aucune concurrence possible. Voilà, bah écoutez, c'était la fin de cette saison 2 de Pro Cycling Manager 2013. C'était la fin des vidéos de Quamoingus sur la chaîne FMKO. En tout cas, en solo, je vous le répète, hein, il y aura des vidéos où nous serons tous les, où nous serons au moins 2, 3 ou 4 à faire des vidéos ensemble. Voilà, donc peut-être les championnats du monde plus tard. Nous verrons bien. Si vous le voulez absolument, champion du monde, dites-le moi, je les ferai. Hein. C'est une course, c'est rapide, hein, il n'y a pas de problème. Avec Roaquim Rodriguez. Enfin voilà, merci d'avoir suivi toutes mes vidéos, merci de m'avoir soutenu dans cette belle aventure. Encore une fois, ce n'est pas la fin de la chaîne continue à vivre, n'ayez pas peur, il y aura encore des choses dessus, ne vous inquiétez pas. Moins souvent, forcément, parce que voilà, mais il y aura des choses, ne vous inquiétez pas, il y aura de belles choses dessus. C'est sûr, quasiment sûr en tout cas. En tout cas, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne privée si vous voulez. N'hésitez pas à rejoindre celle de Très Cool, de la Fra, celle de Axel aussi. Enfin bref, n'hésitez pas à nous suivre sur les chaînes respectives. Voilà, et bien écoutez, merci à vous. Prenez bien soin de vous surtout. Prenez vraiment bien soin de vous. Et on se retrouve prochainement donc sur la chaîne Quamoingus si vous voulez me suivre. Allez, ciao tout le monde et vive la team Arkham Pro qui aura fait une, deux saisons magnifiques. Deux saisons merveilleuses. Voilà. Et j'ai fini en découvert. C'est beau. Allez, ciao tout le monde et à une prochaine. Ciao, ciao.